Permets, Seigneur Dieu, que nous viendrions en ces lieux pour apporter ta parole à ton peuple racheté. Accepte de nous rendre de ton esprit et de rendre ta parole. Puisses-tu nous élever dans les lieux célestes en Christ. Puisses-tu parler au cœur de chacun de nous, alors que nous ne comptons que sur ta grâce, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On reste debout pour donner la parole. Marc chapitre 11. Marc 11, nous prenons du verset 11, 12e jusqu'au verset 14e. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Puisse Dieu bénir sa parole. Frère Branham a lu cette écriture à plusieurs reprises. Et ce sont les écritures qu'il a utilisées plusieurs fois pour parler de la foi. Et il a utilisé ces écritures pour parler sur le sujet par la sept montagnes. Ce soir, je vais prendre ces mêmes écritures pour parler un peu de quelque chose d'autre. Parce que le prophète dit qu'une écriture peut avoir multiples applications. Mais je ne prendrai qu'une application parmi les applications que lui a prises. Très bien. Alors, notre sujet de ce soir, nous l'avons tiré de quelque part dans le message. Et mon sujet, je l'ai intitulé Tout sauf le fruit. Manso, kasi mbumate. Tout nyonso, mais sauf le fruit. Kasi mbumate. C'est ça notre sujet. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons exploiter pendant la semaine. Puisque Dieu nous aide à saisir ce qu'il veut que nous saisissions. Notre histoire commence là dans Marc chapitre 11. Le Seigneur Jésus, est en train de faire un voyage avec ses disciples. Puis, la Bible dit, à un moment donné, le Seigneur eut faim. Et quand on a faim, on doit manger. Alors, le Seigneur avait besoin de quelque chose à manger. La Bible dit, de loin, il a aperçu un figuier. Un arbre fruitier. Un arbre qui porte de fruits naturellement.
Le Seigneur ayant faim, ayant aperçu de loin un arbre fruitier, le Seigneur a cru y trouver du fruit pour terminer sa faim. Andimaki kati na yete waye kopusa nanga pene na nzete wana na komona mbuma na kolia penza na ngai ekosila. Le Seigneur s'approche de l'arbre. Dala kolo abelemi pene na nzete. Quand il arrive, tango asali kokoma. Rappelez-vous. Bokanise la Bible dit. Bible dit quand il a vu ses figuiers au loin, ses figuiers avaient de bonnes feuilles. Et ces figuiers avaient bonne apparence. C'était un arbre qui attirait l'attention apparemment. En le regardant, c'était un bon arbre. Un arbre en bonne santé. Un arbre ayant une bonne image. Et tout le monde peut être attiré par cet arbre. Le Seigneur a famé. Il a cru trouver du fruit pour terminer sa faim. Le Seigneur s'approche. Quand il arrive, quelle a été sa déception? Quand le Seigneur arrive auprès du figuier, il est censé porter du fruit, il ne trouve aucun fruit. Aucun. Il a trouvé de bonnes feuilles. L'arbre avait de bonnes feuilles. De bonnes branches. L'arbre avait une bonne écorce. L'arbre était grand. L'arbre avait des racines. Tout ce qu'un arbre a, cet arbre l'avait. Sauf les fruits. Oh, le Seigneur n'avait pas besoin de feuilles. Le Seigneur n'avait pas besoin de branches. Le Seigneur n'avait pas besoin de l'écorce. Le Seigneur n'avait pas besoin de racines. Le Seigneur avait besoin de fruits. Parce que pas de l'apparence de l'arbre. Pas de branches. Pas de racines. Mais cet arbre était un arbre fruitier. Il avait été planté pour donner du fruit. Pour que les affamés trouvent à manger. L'arbre avait tout. C'était Zalaki na nyonso. Sauf le fruit. L'arbre avait des feuilles. C'était Zalaki na kasa. L'arbre avait des branches. Et Zalaki na mitape. Mais ce n'est pas de ça que la femme avait besoin. Kasimoto Zalaki na nzala. A Zalaki na bosele na biloko nyonso wana. Le Seigneur s'attendait à trouver du fruit. Mais malheureusement, aucun fruit. Aucun fruit. L'arbre était en bonne santé. Alors, son créateur, le Seigneur lui-même, qui avait créé cet arbre, il porta du fruit. Mais l'arbre l'a déçu. C'est là que le Seigneur prononce une malédiction. Il dit toi, planté pour porter du fruit. Aujourd'hui, je suis affamé.
Tu sers à quoi? Mon salon est salini. Tu es là pourquoi? Quelle est ton utilité? Désormais, personne mon côté ne mangera de ton sang. Tu ne vivras plus. Le lendemain, l'arbre avait séché. C'était Kauka qui? Pourquoi? L'arbre n'avait pas donné du fruit quand le Créateur en avait besoin. L'arbre n'a pas donné à manger à la famille quand la famille en avait besoin. L'arbre n'a pas accompli le but pour lequel le Créateur l'avait planté. Est-ce qu'on est ensemble? Le prophète dit, c'est ça la condition déplorable des croyants que nous avons aujourd'hui. Lolenge oyako kamwa yamawa yabanzino to salina bango lelo. Voilà la condition. Tala lolenge des croyantes que nous avons aujourd'hui. Yabanzimi yabasio to sala bango lelo. Voilà la condition. Tala lolenge des églises que nous avons aujourd'hui. Yabekelezo to salina yango lelo. Les croyants d'aujourd'hui. Banzimi ya lelo en tout. Basalina nyonso sauf le fruit. Kasi mbuma ezate. Ils ont tout. Basalina manso. La connaissance. Boyebi ya liloba. Oh, nous l'avons. Tosalina yango. Nous connaissons les versets par cœur. Toyebi pensa mi kapo na mitu na biso. Les citations du prophète. Ma komina mosakoli. Nous sommes nous-mêmes devenus les bandes. Wana pensa to lobelate. Otengi mo ezali kobima kaka yango moko. C'est bien. Ezali malamu. La connaissance c'est bien. Boyebi ezali mabete. Nous avons la connaissance. Les dons. Makabo. Nous les avons. Moi je suis prédicateur. Moi je suis chant. Moi je parle en langue. Moi je prophétise. Moi je vois des visions. Moi j'ai. Oui, chacun a un don. Ça nous avons. Comme je suis en train de prêcher. Ok. Malamu. Des très bons prédicateurs. Nous avons des très bons prédicateurs. Mais, Kasi, quand on en arrive aux fruits, tant aucun. Nous avons des très bons chanteurs. Mais quant aux fruits, tant aucun. Nous avons des bons. De bons vases dans nos maisons de dons. Des gens qui prophétisent, qui parlent en langue, qui voient des visions, qui ont des songes. Tout ça nous avons. Mais ces gens-là, quand on suit dans leur vie de chaque jour, aucun fruit pour le Seigneur. C'est ce qui est déplorable. Ce qui fait pleurer le Seigneur. Les émotions de l'esprit. Les manifestations de l'esprit. Et toutes ces choses. Nous avons tout. Sauf une vie qui satisfait les affamés. Kasi bomoi oyo ezali koselisa. Bato basali na nzala tozana yango te. Les fruits bambuma tombuma que le Seigneur qui nous a planté attend que nous portions, nous les avons. Oyo nkolo oya kona to ya pota biso azali konsele te biso tomorisa bambuma wana tozana yango te. Alors, quand le Seigneur va nous regarder, tant encore à côté la biso, et qu'il ne trouvera aucun fruit en nous, mais la conséquence, ni de kolanda sima, le Seigneur va nous maudire. Le Seigneur va nous arracher de sa terre. Akopindo la biso na mabele na ye, pa akona ki biso. Dieu n'a pas besoin des arbres qui ne portent pas du fruit. Zambe asana bosenga na banzete oyo ezali na mbuma te.
Oui, là, j'aime qu'on m'entende bien. Boyo kangama lamu. Dieu Nzambe n'a pas besoin. Azana bosengate. Les arbres yabanzete qui ne portent pas de fruits. Oyo ebota kambumate. Lisons Luc chapitre 13. Totanga mukanda na Luc amokapana zomi na misato. Luc chapitre 13. Luc azomi na misato. Verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un salut que l'on m'appelle Issou. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron. Voilà trois ans. Je viens chercher du fruit à ces figuiers. Et je n'en trouve pas. Trois ans. Toi c'est combien? Yo ezali libuponi. Konayo. Toi c'est combien? Yo ezali boni. Ma soeur, toi c'est combien? De kolanga ya moi si ezali boni. Moi qui parle là c'est combien? Yo ezali kolobe ezali boni. Peut-être 10 ans même. Tant mususu ekoki mibuzo milelo. Peut-être 20 ans même. Tant mususu tukumi bale ekoki lelo. Peut-être 30 ans même. Tant mususu tukumi sato petolo. Depuis que tu as cru là-bas. Outa ontimela lilo. Depuis que tu as dit que le Seigneur t'a planté. Outa le mette kola sila koko na yo. Combien d'années maintenant? Mibuponi ekoki sikawa. Si tu veux nous raconter l'histoire du message. Nous, quand nous avions commencé. Nous avions commencé là-bas. Oh non, non, c'est comme ça. Toi, tu connais tout. Mais. Si le Créateur vient à toi pour trouver du fruit, il va en trouver combien? Il va en trouver combien? Le chef dit au vigneron, voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Voyez, vous lisez avec moi. Comme je n'en trouve pas. Quelle est la conséquence? Je crois que vous lisez avec moi. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Comprenez. Écoute la question du chef. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et si Kakonami wana azu esika moko ya mabele ya pamba. Je fais pleuvoir ma pluie. Na sali kolo ki sanfula na ngai. Il puise l'eau. A sali kobenda na mai. Il puise le minerai de la terre. Il puise la fertilité. A sali kobenda penza sa nesa ya mamamo. Il ne me donne que des feuilles et des fleurs. A sali kope sa nakata lo kasa. Je cherche les fruits, je ne trouve pas. Na sali kolo kambuma na sali koswa. Qu'est-ce que cet arbre fait ici? Jésus sali kosala nini awa. Monsieur. Mutamutu. Coupez-le-moi. Katela ngai yango. Oui mon frère, oui ma soeur, si vous ne portez pas du fruit, vous serez coupé. Vous serez coupé. Vous occupez sa terre inutilement. Inutilement. Yampamba, tu es dans l'église inutilement. Tu écoutes la parole depuis combien d'années? Dieu inspire la parole. Le prédicateur vient suer. Motea, tu as écouté combien de prédicateurs? Voilà. Tu as écouté combien de prédicateurs?
Tu as déjà été dans combien d'églises? Aussi au salon de l'église à Boni. Tu as déjà été dans combien de villes? Aussi la cause de la Bingumba Boni. Tu as combien d'années dans le message? Na kati na sango sala mibu Boni. Et les résultats? Benuma esengili kotalisa. Tu as écouté combien de sermons dans ta vie? Oyoka mante Boni kati na bomo ina yo. Or, Nzoka, Frère Branham dit, ne combien salu koloba? Il n'est pas bon. Et salut malam outé. Un homme entend de l'évangile deux fois. Motoyo kasang malam umbalami parler. Quelqu'un qui n'a pas entendu une fois. Wana mosu swazale tigala ko katam balamo kote. Normalement, de koloba malamo. Fula, bino wana. On devait seulement fermer cette église. Et salut toi kanga kereza oyo. Et dire à papa, koloba na papa yote. Allez chercher les gens à qui vous n'avez pas encore prêché. Kendo koluka batona lo te ya te. Bango basi ba yoka mingi. Ils ont déjà écouté depuis longtemps. Qu'est-ce qu'ils en font? Basari kosala na yango nini? Fermez la porte. Kanga ekuke. Allez prêcher à quelqu'un qui n'a pas encore écouté. Kenda kote la moto la na yoka li lobana nzambe te. Tu en fais quoi? Yo sali koko sali kosala na yango nini? Tu en fais quoi? Osali kosala na yango nini? Tu as écouté depuis combien d'années? Oyoka uta mibu boni. Couple-le. Kata yango. Pourquoi occupe-t-il la terre inutile? Pour l'année, les salis kokamate, tel il a ma belle pamba, zangatina. Le vigneron lui répondit. Mokolo bilanga, soigne celier. Le cultivateur. Monsalibi, oui, mokoni bilanga. Voilà. Alors il répondit. A soigne celier. Seigneur. Kolo. Laisse-les encore cette année. Je te supplie. Donne-lui encore une grâce. Donne-lui encore une occasion. Cette année seulement. Je creuserai tout autour. Wanda makomi pesa mosala. Je mettrai du fumier. Peut-être. L'avenir, donnera-t-il du fruit? Mais kasi, si je fais ça, so ki la sali yango, et qu'il ne donne toujours pas du fruit, aboti kaka mbuma te, tu le couperas. Wana okokata ye. Peut-être que tu vis déjà dans cette année de grâce là. Tango mosusu osali kobika na tango bazali kotimo la singa singa na yo bazali kotcha ba fimé po ba peso ngala ya suka. Mais tu es distrait. Tala osali na kidika. Le Seigneur attend les fruits. Kola osali kosela mbuma. Toi tu te réjouis des feuilles et des branches. Yo osali kosepela kaka baloka sana ba bitape. Je suis membre de grâce étonnante. Nazali a solo et na mala mukumbo ngolo na kokamwa. C'est nous qui avons commencé. Bisonde ba tuto bandaki. D'ailleurs moi je suis croyant du révérend Josué Kalenda Wangoi. Ngai nazali muntimi na ye depuis 30 ans. Uta mibutu kumisa tuta kuna na kanyama s'occuper wapi? Ça fait quoi? Et sali nini? Tu es planté là. Okona miwana. Depuis 30 ans. Mibutu kumisa to. Depuis 20 ans. Tukumi ba. Depuis 15 ans. Ye mibuso mina mitatu. Kasi. Est-ce que tu produis les fruits? Osali ko bota mbuma ou bien tu occupes la terre inutilement? Osali ko zetei na mabele ya pamba. Il souffre inutilement. Osali ko nyoka ma pe pamba lo nyoso za ko sala. Ésaïe chapitre 5. Isaïe mokapona mitano. Ésaïe chapitre 5. Oh, kapona mitano mokanda na Isaïe. Verset 1 à 7. Tokobanda molongona yambokino sambo. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Na koyembela na molinga mina ngai nzembo na katina elangana ye. Mon bien-aimé avait une vigne. Molinga mina ngai azalaki na elanga moko sur un coteau fertile. Ete na ngambo wapi ezalaki kobota malamu. Il en remua le sol. Pe azaki kobalusa mabele.
Comprenez? Vous allez qu'on soit cela. Il avait le champ. Asalakine langanaye. Il a remué le sang. Abalusi mabele. Il ôta les pierres. Alongoli mabanga. Et il y mit un plant délicieux, un arbre. Pe akamati nzete moko akoni yango. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Pe akamati efelo. To etutu moko atongi zinga zinga na yango. Et il y creusa aussi une cuve. Pe atimola ki lisusu libulu moko. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Pe alikia ki ete nzete wana ekobimisa mbuma ya raisin ya malamu. Mais kasi elle en a produit de mauvais. Abimisi oyo abota bimisi oyo ya mabe, de mauvais fruits. Ya mambuma ya mabe, de mauvais raisins. Raisin ya mabe. Si la sœur là dort réveillée là. Ce qui de commence on a la moussaye. Moi quand je prêche, j'aime que tout le monde me regarde. Tant on a terre que la linga kete batonyo suba talangayi. Là, c'est à vous que je parle. Et na binonde na zali kolobe là. La Bible dit. Bible zali koloba. Maintenant donc. Ça ça y est pi bongo. Habitants de Jérusalem. Bino baebosali ko vanda na Jérusalem. Et homme de Juda. Pe bino baebanso na bato na Juda. Soyez juge entre moi et ma vie. Pe bozala basambi sto bakati ntina. Kati na ngai pe na elangala ngai. Kati elanga likambo oyo. Bokati elanga ntina na likambo oyo. Entre moi et ma vie. Ngai na elanga na ngai oyo. Soyez témoin. Bino moko bozala banzengeleke. Ça c'est Dieu qui se plaint. Wanansambe azali kolela azali koloba. Il dit alobi. Qu'avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Ni ne sengela ki lisusu na sala ne langa oyangai oyangai na zangi ko sala. Soyez témoins. Bosala banzengele. Soyez juge. Bosala basambi si bakatsi. J'ai remué le sol. Ngai na balusi mabele. J'ai ôté les pieds. Na longoli mabanga. J'ai arrangé. Na bongisi yango. J'ai planté. Na koni. J'ai arrosé. Na sopi mayi. Espérant. Kolikia ka. Que ma vie. Ete la produire de bons fruits. Et qu'on baisse à la bambouma qui toko. Mais regardez. Kasibino moko botala. Et produit de mauvais fruits. Tala bambouma kaka ya mabe. Qu'est-ce que je pouvais encore faire que je n'ai pas fait? Trancher la fête. Est-ce ma faute? Ezali libunga na ngai? Il dit alobi. Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Ponani litanga na likiaki. Et ekobota ba raisin ki toko. Je vous dirai maintenant ce que je ferai à ma vie. Comme j'ai tout fait, espérant qu'elle produise de bons fruits et qu'elle en a produit de mauvais. Je vais vous dire ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? J'en arracherai la haie, la clôture qui a mise là. Oyo lobala onga na tiaki wana na kolongola yango. Je vais arracher la clôture. Lobala na tiaki tobi tutu na tiaki na kolongola yango. Qui l'a protégé? Ayo ezaki kobate la haie. Je vais enlever. Na kolongola lobala wana. Pour qu'elle soit broutée. Pwete bato ba banyama baya baliaka yango. Bata baba kota balia makasa nyonso wana. Ngana bate la kiye. Na saleli yo nyonso. Aboy ko botambuma. Bon na sala nini lususu. Azawa na ponatina nini. Na ko batele esute. Allez, bolongo la lopam. Balongoli. Bata baba koti. J'en abattrai la clôture. Ngai na ko kweisa penza e na ko kweisa penza lopala. Elle soit foulée au pied. Pwete bato banyata yango na makolo. Mes frères, mes soeurs, il y a des situations par lesquelles certains croyants passent.
alors que c'est Dieu qui est à la base. Wana nzambe nde moto asali manso wana. Dieu a tout fait pour eux. Nzambe asali manso pona ba. Et ils n'ont pas donné à Dieu ce qu'il attendait. Ba pese la nzambe oyo asaki boyo. C'est inutile. Amone tintile na bango esali susu te. Dieu enlève la protection. Nzambe alongoli kobate la mawana. Il laisse le diable faire de ce qu'il veut. Atiki satana kosala oyo ya lingi. Il y a des églises que Dieu a déjà laissé pour que le diable foule au pied comme il veut. Parce que Dieu était déçu de leur comportement. Le la Bible dit, je la réduirai en ruine. Dieu là, l'auteur, le propriétaire de la vigne, il dit je vais la réduire en ruine. Elle ne sera plus taillée. Ni cultivée. Les ronces, les épines y croîtront. C'est ma vie. Mais comme elle n'a pas fait ce que j'attends, je ne m'en occupe plus. Je la réduirai en ruine. Les épines vont pousser. Je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Il y a des croyants qui ont déjà séché. Tu es là. Mais est-ce que tu ressens encore cette fraîcheur de l'esprit comme les années d'avant? Je ne parle pas des émotions que tu fabriques quand on chante. Toi tu es quel chrétien? L'esprit descend sur toi seulement quand on est à l'église et on chante. Or un vrai chrétien, lui-même il est une source. Il peut être seul. Il chante. L'esprit descend. Seul. Mais toi, Kasiyo, tu as déjà séché. Tu peux faire même deux jours sans chanter. Séché. Pourquoi? Pour la nini. Dieu t'a déjà lâché. Nzamba sa sundolo atikiyo. Et tu continues comme ça. La pluie ne tombera plus sur elle. Verset 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Quand on parle de la vigne, on parle des hommes. Il ne faut pas regarder le champ à Maloukou. On parle des hommes. Et dans le Nouveau Testament, Israël, c'est l'Église. Israël, c'est toi. C'est toi, ma soeur. C'est moi. C'est nous, la vigne de Dieu. C'est nous, les arbres fruitiers de Dieu. C'est nous que Dieu a planté pour produire du fruit pour lui. Mais qu'est-ce que Dieu trouve en nous? Qu'est-ce que les affamés trouvent en nous? Qu'est-ce que les affamés trouvent en moi? Je suis prédicateur. Oui, c'est bien. Les dons. On est avec.
On est avec. Tozo kombota mana yango. Ça c'est quoi? Ezali nini? Même Fali. Ata Fali, pourquoi? Il a le don de Dieu. Azala likabo ya Nzambe. Toi tu penses que c'est le don du diable? Yo kaise te sante na pesa ka likabo. Le don avec lequel il chante là. Likabo yamba ka yango wana. C'est le don de Dieu. Et où tu es pas une Nzambe? Ah, si tu le savais, bakate, je t'informe. La pension de Sangoye, c'est le don de Dieu. Et ça, il est pas mais que lui utilise pour le diable. Il est à la pona Satana. Les dons, les cabos et les appels sont sans repentance. Zamba pesa kayango moto asenga kayango tenzamba pesa na kobotama. Obotami nango. Obotami na yango. Ata oboyi Nzambe ekozala ka. Hein, iyo. Pourquoi vous allez trouver un prédicateur qui vit dans l'adultère régulièrement? Et quand il se tient à la chaîne, quand il prêche, c'est parfait. Parce que le don, c'est pas lui. Le don, c'est Dieu. S'il se met à l'écart, le don va agir. On est là. C'est pour cela que le prophète nous apprend. Que nous ne devons pas évaluer notre salut par rapport à un don que nous exerçons. Parce que je prêche. Parce que je parle en langue. Parce que je compose les chants. Parce que je prophétise. Même les sorciers Atabandoki ont de très vraies prophéties. Masakoli ya kitoko ya solo. Si le Saint-Esprit, quand il descend, c'est une pluie. Il peut descendre même sur un sorcier. Tala, moli mon sang que ça le col en voula. Ce qui est gonoka et kokitata le colo et moto sandoki. Mais ce que nous cherchons, c'est quand il descend, il pénètre jusque dans l'âme. C'est ce que nous cherchons. Mais s'il s'arrête au niveau du corps, tu vas danser, okobina, tu vas chanter, okoyemba, sous l'esprit, pas le diable, le vrai Saint-Esprit. Mais tu es païen. Tu vas prêcher comme je prêche. C'est pas ça la preuve que je suis sauvé. Ce n'est qu'un don. Nous sommes les arbres de Dieu. Et quand Dieu nous plante, il attend de nous les fruits. Mais nous savons tout sauf les fruits. C'est ça mon sujet. Yango mokonza na yangwana tozana nyonso nyonso tozana yango nyonso sauf les fruits kasi mbuma ezate les hommes dans le prophète totanga sika mosakoli. Nous sommes dans la prédication Une vie cachée. Le 6 octobre 1955 au point 42. Le prophète dit, eh bien, quand cette vieille verge morte était amenée là à l'intérieur et déposée dans la présence de Dieu lui-même, qu'arriva-t-il? Voilà, la verge d'Aaron. Vous êtes là? Cette verge, lingenda wana nzete wana yako kauka. Quand elle a été amenée là dans la présence, mais maman qui kuna kati na bosala ni nzambe. Qu'arriva-t-il? Ni nangwe salemaki. Elle bourgeonna. Yango ekomaki ya mobesu ya sika. Eboti balokasa. Elle fit sortir des bourgeons. Pe ebimisaki bika pe pa pe bambambu mekoki kobimela. Et porta des fruits. Pe ebetaki bambuma. Montrant Kotali Saka. On est où là? Voilà. Montrant que Kotali Saka était. Nous naissons dans
Tozali kobota mana. Fabanamdi. De comment zali koloba? Cette verge. Lingenda wana ton zete wana. Provenait de l'amandier. Et outa ki kaka nanzete bazali kobienga ya amande. Et après avoir été coupé. Pesima na kokata nanzete wana. Elle était morte. Et koufaki et kauki. Banamdi. Banamazali koloba. Et dès qu'un homme a été séparé de Dieu, il est mort spirituellement. Kakambala moko, soki moto akabwani na nsambe, na mulimo akabwani na nsambe. Akufi mbala moko. Quand tu te sépares de Dieu, Kakambalo zali kokabwana na nsambe, il est mort spirituellement. Ozali moto akufi na mosanda na mulimo. Séparé de Dieu. Nzambe, tu peux être séparé de Dieu tout en venant à l'église chaque jour. Oui, oui. Iyo. Rappelez-vous. Vrai Branham. Quand il prend l'histoire de Jésus. Comment? Quand on l'avait amené à la fête de la Pentecôte. La fête de Pâques. Jésus n'avait que 12 ans. La Bible dit. Jésus est resté au temple. Parlant avec les gens là-bas. Marie et Joseph. Ont fait 3 jours de marche. Sans Jésus. Il pense. Qu'il était avec. Dans cela qui commence à être Yeshua, cela qui est longo na bango. Alors que ça faisait 3 jours qu'il était resté. Et cela qui m'économise à toi, attique là qui coule na tempelo. Puis, trois jours après, m'économise à toi sima. Ils se sont aperçus. Bah moi ni la mission na bango qu'il n'était pas avec. Était à cela qui est longo na bango te. Le prophète. C'est ce qui arrive à beaucoup de croyants. Vous présumez qu'il y a. Alors qu'il est resté depuis longtemps. Frère Branham dit. À l'endroit où vous aviez refusé d'obéir à la parole là. Et que vous avez désobéi à Dieu. Il est resté là. Vous marchez seul jusqu'à ce que vous retourniez là. Kakanesika oyo wapi oboki kochel lo bananza me kati na musala. Esali kakanesika nego tikaki ye. Esengelo sala nini? Osonga bobele wana ndo kokuta ye pwete boba na suko tambola elongo. Marie et Joseph étaient obligés. Jusqu'au temps. Marie la Joseph basonga kilo na tempelo. C'est là qu'il l'avait laissé. Et pas ikulande batika kaye. Peut-être toi tu l'as laissé le jour où tu es parti avec cette femme là qui n'était pas ta femme. C'est ce jour là qu'il est resté. Tu viens à l'église, oui. Tu chantes, oui. Tu danses, oui. Tu dis amen à la parole, oui. Mais il n'est pas avec toi. Asali elongo na yo. Tu es en train de présumer. Osali bobele kokanisa et osali na ye. Atikala kikaka mokolo kenla ki la mwesi msoza la ki mwesi na yo wana te. Atikala kaka bobele mokolo wana. Le jour où tu as volé au travail. Mokolo yiba ki na mosala wana. L'argent qui ne t'appartenait. Misole zala ki ayote wana. Ce jour là qu'il est resté. Mokolo wana ne atikala ki sika wana. Ma soeur. Nikola le jour où tu as menti là. Mokolo okosa ki wana. Ce jour là qu'il est resté. Mokolo ne otika ki ye. Toi jeune fille, tu n'es pas mariée. Tu vas te faire baiser par un homme. C'est ce jour-là qu'il est resté. Tu penses que quand tu vas sauter à l'église, ça fait quoi? Le prophète dit, le péché ne s'efface pas avec le temps. Très bien. Le péché s'efface seulement avec la repentance sincère et la réparation. Lisumu elimwa kakaka na koyambola kasi na kozala kasembo pe kosuka wana te okeyi obongisi likambo wana. Toi, tu as commis adultère. Yo, sali ekobo. Tu viens à l'hôtel. Oye, ne tombe. Seigneur, kolo, kolo. Connais mon cœur. Oye, bi motema na ngai. Motema nini? Branham dit, avant de venir à Dieu, commence par ta femme. Kembandana na mwasi na yo.
Quand tu vas arranger avec ta femme, c'est là maintenant que tu viens à Dieu. Et puis Branham dit, hein, quand tu vas aller voir ta femme, là, faut être sincère. Et c'est faut sain dire bon. Tout quoi. Tu peux la bagager ta femme. Tu ne vas pas aller la bagager. En tout cas, au coco ça a été. Pour aller commencer, pour te repentir de ton adultère, tu payes d'abord l'habit. Okay, non, so mina, nous, l'amba, si, kaya, tir, ki, penza, robe, ya, cher, wana. Là, tu veux corrompre ta femme pour avoir un pardon, un semblant de pardon. Wana, ozali, kokata, déjà, kanya, kapote, lokola, komone, l'amba, atana, sengi, akobo, ya, te, akolimi, sana, oza, mouyibi. Tu ne veux pas porter la honte de ton péché. Olingi, komé, ma soni, ya, lissou, na yote. Le prophète dit, Mosa, kolazali, koloba. Dès qu'un homme a été séparé de Dieu, il est mort spirituellement. Mais une fois amené dans les lieux de Dieu, ce qui a comblé l'esika l'ensemble, pour toi a couffé la molimo, ce qui a même mis l'esika l'ensemble. Amen. Amen. Dans la présence de Dieu, Nabosalani ensemble, il revient à la vie. Asali ko songa na bomoi. Et il produit la vie. Pe moto wana asali ko biko bimisa bomoi to ko bota bomoi asika. Pas seulement revenir à la vie. Asali ko songa kaka te. Produire la vie. Asali ko bota bomoi. Le prophète dit, Mosa kola sali koloba, il bourgeonne. Tala asali koko manzeta mobesu, esali ko bimisa balokasa, ba folo le pe biloko nyonso. Il donne des fruits. Asali ko beto bota mbuma. Le prophète prend maintenant Marc 11. Mosa sali ko tesi koma la kosomi na moko. Il dit, asali koloba, Jésus s'est rendu auprès d'un arbre pour y chercher des fruits. Yesu akeneki pene pene na nzete moko. Cet arbre avait tout et qui la nyonso sauf les fruits. Kasimbuma salaki na yangote. C'est là que j'ai pris mon sujet. Wana nena soka mokonza na ngai. Cet arbre avait tout. Nzete wana salaki na manso sauf les fruits. Kasimbuma libungu tulu. Nena frère Branham nous intéresse. Si quand de commence li kolimbo le labiso, il dit, asali koloba, c'est cela le problème de nos églises aujourd'hui. Talawana ndelikambo ya bekele na biso lelo. Nous avons tout, tozali na nyonso sauf les fruits. Kasi bambuma tozana yango te. Ça le problème de nos églises. Dans la likama na bekeles na biso lelo. Nous avons tout. Tosali na nyonso sauf les fruits. Kasi mbuma tosali na yango te. Nous avons tout, nous avons quoi? Ndeko bana tosali na nyonso, tosali na nini? Nyonso wana eza nini? Ezali nini ndeko bana? Le tout que nous avons. Nyonso tosala yango wana. Sauf les fruits. Libanda mbuma tosala yango te. C'est quoi? Ezali nini ndeko bana? Nous avons quoi? Tosali na nini? Abraham dit, ndeko bana malobi, nous pouvons crier. Toko ki ko ganga. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que mon ensemble. C'est ça. Et c'est liango. Péché. Teya. Nous pouvons crier. Toko kiko ganga. Ça nous avons. Wana tozana yango. Nous pouvons parler en langue. Toko kiko loba kota na sika. C'est bien. Eza malamu. Ça ne dit rien. Eza li kolobe lo kota. Ça ne dit rien. Et salut Kolobelo côté. Mon homme dit que vous pouvez parler en langue comme le poids versé sur la peau sèche d'une vache. Ça ne représente rien. Oh, Koki pensa que le bakota na sika loko la ngombe. Sokozui na madesu ya mobesu wana. O mwangi si yango siko likolo a posa ngombe kauka. Oyoka ka makeleo isalaka. Bra 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 bra. O koki koloba pe kota sika loko la bongo. Mais elobi pe loko te. Elle obéit pas le rôté. Cela ne veut pas dire qu'un chrétien sauvé ne parle pas en langue. Non, il parle. Et je veux que vous compreniez que le parler en langue,
ce n'est pas ça l'idéal, la chose à laquelle nous devons regarder. Même quand on vit mal, on se satisfait parce qu'on parle en langue. Mon Christ peut aller au bagakota asika. Mais ils en dangate. Ils aillent au kota les latins. Pour eux, c'est pelozo quand ils se sont solo babongonde. Au commun. Nous au communin. N'a pas moi yambindoza n'angon. Tu termines de parler en langue, tu vas critiquer les gens. Tu ne salues pas la sœur. Et puis ça dit quoi? Tu prophétises, tu termines. Mais tu ne parles pas à l'autre. Ça dit quoi? Tu prêches comme je prêche là. Tu et puis avec quelque chose dans le cœur contre quelqu'un. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Sortons des traditions pentecôtistes. Les pentecôtistes, là où ils ont failli, et quand ils ont pensé, et quand ils ont un don, c'est ça le salut. C'est ça la chose. Alors c'est pas ça la chose. Le prophète dit, nous pouvons crier. Nous pouvons parler en langue. Nous pouvons nous disputer sur les écritures. Ça nous avons. Les écrits nous avons. Les parlants en langue nous avons. La discussion sur les écritures. Nous avons. Branham dit, nous pouvons enseigner notre théologie. Très bien. Quand on parle de notre théologie, ne regardez pas là-bas au séminaire. Notre théologie, ça veut dire notre manière de concevoir Dieu et la parole. Nous pouvons ça. Enseignez bien notre doctrine. Nous, chez nous, nous croyons comme ça. Nous croyons comme ça. Et vous démontrez bien avec les écrits. Ça, nous avons. Branham dit, mais, ça nous avons, lorsqu'on en arrive au fait de porter les fruits, l'arbre est très pauvre. Tango tozali kokoma na mosanda, ya kolobete to bota siko bambuma, nzete ezali ya bobola, ezata na eloko moko te, ezana mbuma te. Voilà, mbuma te papa. Branham dit, Branham a lobby. Quels sont les fruits de l'esprit? L'amour. Bolingo. Hein? Yambo. Bolingo. Tu parles la langue, c'est bien. Tu prophétises, c'est bien. Tu danses, c'est bien. Tu chantes. Tu es comme un ange. Tu prêches comme je prêche. Mais kasi, dans le cœur, vis-à-vis de cette sœur, vis-à-vis de ce frère, vis-à-vis de ton voisin, ya mozalani na yo wana, ta voisine, mozalo pembeni wana, y a l'amour. Bolingo ezali. L'amour. Bolingo. La joie. Esengo. C'est ce que Dieu attend que nous portions. Toi, tu es quelle chrétienne? On dirait que tu es fâché chaque jour. Les gens ont peur de t'approcher. Donc, quand tu es gentil, on pense que tu es fâché. Pas de joie. Un papa à la maison, il est toujours comme un lion. Tata na ndako lokola nkosi. Lisolo na mwasi ezate. Lisolo na bana ezate.
Mais quand tu viens à l'église, ce qu'on est dans l'église, awa, ba men ebele. Ozaka na sima kuna amen ya kuganga. La joie, esengo. La paix, kimia. La longanimité, motema molai ya koyikela. La longue patience. Le fait de supporter. Toi, yo, quand tu as un problème avec quelqu'un, même quand le pasteur arrive. Oh non, papa. Mais quand on te voit dire amen là à l'église, on pensait que tu es déjà arrivé quelque part. Maman, quand tu chantes là, tant oyemba kawana, quand tu sautes là, tant ozali ko pimbo wana, non, pensait que tu es déjà arrivé quelque part. Tobanza ke to so koma na isika yango. Mais tu as un cœur qui ne pardonne jamais. Zokande motema no elimbi sakate. Otikinde na munoko, mais na motema otikite. Hein? Le pardon. Les amis, Baninga, je vais vous dire une chose. Laissez-moi ouvrir cette parenthèse. Je vais terminer peut-être dans 10 minutes. Pardonner, ce n'est pas dans la bouche. C'est dans le cœur. Écoutez, quand vous pardonnez, cela ne veut pas dire que vous oubliez que cette personne vous a fait quelque chose. Il n'y a que Dieu qui oublie. Écoutez, Boyoka, si vous m'injuriez, ça va me faire mal. Maintenant, quand vous me demandez pardon et que je pardonne, chaque fois que je vous verrai, je me rappellerai que vous m'avez injurié. Mais pardonner, c'est quoi? Quand je me rappelle que tu m'avais injurié, c'est comme si je me rappelle que j'ai mangé le foufou hier avec le poisson sale. Je m'en rappelle juste parce que c'est un événement qui s'est passé. Mais le remords que cela avait créé dans mon cœur, cela est parti parce que j'ai pardonné. Pète la limbici, lo lenge na zaki koyoka na kati na motema wana ezali susu bongote. Na koki ko kaniselete nekwana alobela kinga boye. Na kaniseli na ngai pamba. Mais kasi le mal là que ça me fait. Ma beza ki ko sala ngata ofinga kinga wana. C'est parti. Et que c'est ça le vrai pardon. Ala ko limbisa na malamu yango wana. C'est chaque fois. Soki mbala na mbala. Tu te rappelles. Ozali ko kanisela. Produit les mêmes effets. Tu n'as pas encore parlé. Oui, mes frères et sœurs. Que nous puissions nous effacer. Oui, oui. L'homme n'oublie pas. Mais le chrétien pardonne. Quand on pardonne, on n'a plus mal dans le cœur. C'est là que Dieu fait nous amener. Parce que sur la terre, en vivant avec les gens, nous aurons toujours des problèmes. Mais la preuve que nous sommes des faillants, c'est après les problèmes, nous sommes capables de nous élever, de monter au-dessus des problèmes. Rester les mêmes personnes avec les mêmes sentiments. Puisse Dieu nous aider à arriver à ce niveau-là. C'est ça le fruit de l'esprit. Pas sauter, pas prêcher comme je prêche, mais un prédicateur avec le cœur plein de racines. Celui-là, je ne suis pas avec lui. Sœur, mets-toi avec l'autre. Non, non.
je l'évite seulement. Parce que je n'aime pas les problèmes. C'est Branham dit. Souvent. Dans l'église, la personne qui dit toujours telle chose n'est pas en ordre, telle chose n'est pas en ordre. C'est cette personne-là qui n'est pas en ordre. Toi, tu as toujours des choses à rédiger. C'est toujours toi. Kakayo. Tu as quelque chose de fou. Oh batonga kana lo sambo ezaka yo. Oh batu batonga kangai, batu balinginga te. Yo lingi to lingo ndengeni. Hein? To linga yo ndengeni. Oh maji, ona. Eh balobi na ngai boye. Tang basala kingai balobi na ngai boye, basali ngai boye. Frère Branham dit. De komana mazali koloba. Jésus. Yesu est un grand homme. Asala ki moto monene moto loku mo poete. Les gens pouvaient parler en mal de lui. Bato bakoko le ma bela tina na ye. Il pouvait continuer sans faire qu'à cela. Akokaki kokenda liboso zanga kotala makambo bato bazali ko loba wana. Pe bana bazali ko loba. Parle mal de vous. Ta bazali ko loba ma bela tina na ye. Et cela vous arrête. Pe yango etele misu yo ke liboso te. Vous êtes une petite personne. Osali na moto moke ya loku mute. Les grandes personnes, ce sont les gens qui peuvent critiquer, mais cela tombe dans leurs oreilles. Et ils restent les mêmes. Et ils avancent. Voilà grand homme. Grand homme, c'est pas la veste. Grand homme, c'est pas l'argent. Grand homme, c'est pas je suis pasteur. Grand homme, c'est être capable de ne pas être arrêté par les critiques. Pas faire semblant et cela vous ronge les cœurs. Non, être capable d'entendre et vous restez la même personne. Il n'y a rien dans le cœur. Gloire à Dieu. Voilà grand homme. Voilà grande dame. Grande dame, ce n'est pas les ensembles. Grande dame. Maman, c'est mon thème. Dieu a besoin de grandes dames ce soir. Dieu a besoin de grands messieurs ce soir. Pour Dieu, bon ensemble, c'est qui compte. C'est le cœur. Frère Branham dit, nous ne voulons pas juger un frère par son appartenance d'une église ou d'un tabernacle. Mais nous voulons juger quelqu'un par l'état de son cœur vis-à-vis de Dieu. Iyo. Voilà. Continuons la citation. Frère Branham dit, la longanimité, la gentillesse. Tu es quel chrétien, tu n'es pas gentil. Toi, quand tu réponds, quand quelqu'un vient te voir, il a peur de t'aborder. Azo banga. Parce qu'il ne sait pas comment tu vas répondre. Le chrétien, c'est pas ça. Le chrétien, c'est la gentillesse. C'est la gentillesse, frère. C'est la gentillesse, sœur. La bonté. Boboto. La patience. Frère Branham dit, comme nous n'avons pas ces choses, cela montre que yango ezali kotali sa ete. Projetez pour qu'on lise ensemble avec eux. Cela montre que yango ezali kotali sa ete. Beaucoup mingi bayike sont encore dehors
sur le premier hôtel. Basali dans l'Ulibanda. Ils sont encore dans le parvis extérieur. Parce que c'est dans les lieux très saints que la Vierge d'Aaron a porté les fruits. Comme nous n'en avons pas. Ça prouve que nous sommes dehors. Ce que nous nous. Nous comme ça. Salut comme Costa. Nous nous trompons. Salut comme Costa. Je termine. Nazali Kosilisa. Vous êtes encore dehors. Vous êtes encore exposé au public. Tala. Bakunoso basali ko leka ba komona yo. Nyonso zali ko salema yo po zali ko mema ma. Mes amis, Baninga Langai, j'ai envie de vous en parler. Nazara posala lobela bino yango. Le lieu très saint. Et si quoi ya poule, c'est là que se trouve Dieu. Et ça n'est pas wapinza basali. C'est là le lieu de la communion intime de l'homme avec Dieu. Et ça n'est pas imoto na kuku na ensemble na bango mibale. Ce lieu là, et si kawana est insonorisé. Tala, oh non sur libanda, et kota kate yo kala kate. Le bruit du dehors. Quelle est la libanda? N'entre pas dans les lieux. Et yinga la kanesika la poule. Les critiques des gens, le péché du monde, les choses du monde, la foi de la mondanité, la foi du péché, toutes ces choses n'atteignent pas la personne qui est dans le lieu très saint. C'est un lieu insonorisé. Et c'est un lieu où. Et c'est un lieu où ce que vous aussi vous dites à l'intérieur ne va pas à l'extérieur. Et alléluia. C'est qu'il y a un secret entre toi et Dieu. Ce que Dieu t'a dit et ce que toi tu lui dis, personne d'autre que vous deux ne l'entend. Et c'est qu'à Kabino Mibale, Oyonzama Lobelio, Oyolobeli Nzambe, Kakabino Balende, Boyebi Yango. Vous êtes encore en train d'écouter ce que Jean a à dire à ce sujet, ce que le voisin pensera ou autre chose pour vous-même. Mais une fois que vous êtes derrière le voile et que les rideaux sont tombés, vous êtes caché en Dieu par Christ. Christ. Là, wana, vous portez des fruits. Pour Dieu, pour l'ensemble, pour son père. Mais, pour la mais kasi, aujourd'hui, lelo oyo, nous avons tout. Tosali na nyonso, sauf les fruits. Kasi, bambuma, ezalite. Que Dieu nous aide. Zamba Sunga Biso. Nous allons nous lever. Tokote le mabongo biso banso. Je vais laisser la place pour qu'on le conduise dans la prière. Na koti ke sika po te ba me biso kati na libondeli. Je pense que nous pouvons d'abord applaudir pour la parole. Sans tarder, que chacun de nous puisse dire un mot devant le Seigneur. Prions.